Je vous présente la flûte numéro 111 de marque Claire Godefroy Aîné. Il s'agit d'un instrument exceptionnel à plusieurs égards. Tout d'abord par la beauté de sa facture et ses qualités de jeu remarquables. Ensuite par le fait que c'est une des plus anciennes flûtes françaises avec le système Böhm, probablement construite juste avant 1840. Enfin par les matériaux utilisés. Au lieu de l'habituelle bois de coccus et des clés en argent utilisées ordinairement par Godefroy sur de tels modèles, nous avons ici un clétage en laiton plaqué or. Quant à ce beau bois brun-rouge, eh bien, je ne suis toujours pas parvenu à l'identifier. Il ne s'agit en tout cas ni de coccus, ni de buis. Il est particulièrement léger et d'une grande stabilité, puisque le temps n'a causé aucune déformation de la perce. Lorsque Böhm vint à Paris en 1833 pour faire connaître sa nouvelle flûte perfectionnée, trois flûtistes français l'adoptèrent et en firent la promotion. Paul-Hippolyte Camus, Victor Koch et Louis Dorus. Dorus travaillant en étroite collaboration avec les facteurs Hippolyte Godefroy et Louis Lotte, qui avaient repris la marque Claire Godefroy Aîné. Ils proposèrent un modèle légèrement modifié de la flûte de Böhm. Vous voyez ici la clé de sol dièse, dite clé de Dorus. Elle est très différente de l'intention originale de Böhm, qui prenait une clé en position ouverte qu'il fallait fermer pour toutes les notes de la gamme, sauf pour le sol dièse. En inversant l'action du petit doigt sur la clé de sol dièse, Dorus rapproche le doigté de celui de la flûte ordinaire et facilite donc l'accès à la nouvelle flûte pour les instrumentistes habitués à l'ancien instrument. La touche de cette clé est en forme de coupe, ce qui sera modifié peu après pour un design plus standard. Sur les anneaux actionnés par la main droite, vous pouvez observer qu'ils ne s'ouvrent pas dans le même sens, ce qui rend assez délicat la synchronisation par la même main de clés ayant un mouvement contraire. Cela sera modifié sur les modèles ultérieurs de flûte Böhm conique afin que tous les anneaux s'ouvrent de manière plus confortable et naturelle selon les mouvements de la main. Cette flûte ne comporte pas encore la clé de si bémol au pouce inventée par Bricciali en 1849. On peut observer enfin la beauté de la facture du pied de la flûte avec ce croisement du mécanisme très élégant, un design très rare et qui sera bientôt abandonné. La flûte joue à 445 ou 446 Hz, ce qui était un niveau de diapason très courant en France, avant qu'il soit redescendu à 435 par décret en 1859.